un mot spécial, un mot de réconfort, un mot de solidarité à l'endroit de professeur Pierre Audi Vital, à l'endroit de toute communauté universitaire là, eh bien, qui a souffri par enlèvement professeur ça depuis 19 février. Nous connaissons professeur Pierre Audi Vital, ici professeur dans la faculté de droit, et lancé dans l'autre côté tout, et bandits armés qui bénéficiaient de protection de l'empire autorité dans l'État, eh bien, ils ont enlevé la date ça et jusqu'à présent pour qu'on gagne ce dit. Et deuxièmement, si nous étions dans le cadre enlèvement, même si on va l'approfondir certainement avec moi, nous connaissons que dans le même mois, ça tout, 23 février 2024, eh bien, l'Église catholique est victime. Il y a 6 religieux, sacré cœur, eh bien, qu'ils ont enlevé, et jusqu'à présent, jusqu'à cette minute que nous avons parlé à là, eh bien, religieux, ça a encore dans mes bandits. Ils ont été enlevés dans la zone, en ville, côté que vous n'avez pas le faire, vous n'avez pas le servir, nous capables de dire, peuple là, jeune monde qui n'est pas à l'école, dans le collège en 23. Et pour l'Église catholique, ce n'est pas ça seulement, nous connaissons tout que dans la date 24 janvier 2024, donc un mois avant l'enlèvement religieux Sacré-Cœur, eh bien, ils ont été enlevés 6 religieuses Sainte-Anne. Dans la zone, nous capables de dire Avenue Christophe. Et à côté de tout ça, nous pas capables d'oublier, même si nous pas capables de faire liste net, nous pas capables d'oublier petit docteur Pape. Tout le monde connaît qui ça, docteur Pape, représenté pour la population en matière de santé. Et depuis le 28 novembre 2023, eh bien, petit docteur Pape, qui est Douglas Pape, il a enlevé, et malgré que mon parent a versé plusieurs rançons, et jusqu'à présent, bandit ça encore, qui est intouchable, eh bien, il n'y a pas qu'à libérer. Et donc, son bagage qui inquiétait nous-mêmes au niveau de l'OPC, et toujours dans le domaine ça, dans le même tableau, nous ne sommes pas capables, tout, collègue, confrère Ismaël, nous pas mentionner la situation, Monseigneur Pierre-André Dumas, et comme tout le monde connaît, dans la date 18 février, eh bien, pendant le deux passages dans Port-au-Prince, parce que lycée évêque en Savo, il était deux passages dans Port-au-Prince, eh bien, les victimes de Santa Ele ont une explosion qui était jusqu'à présent troublante. Dans ce sens-là, nous ne pas connaît, moi-même, peut-être ou même toi en tant que journaliste, on doit confirmer ou bien infirmer pour moi, mais au niveau de en pile salle des nouvelles, au niveau de en pile et moyens de communication, nous pas li, nous pas tendé une note de sympathie que le gouvernement de la République n'a fait sortir. M'pa konnen, si li sorti, peut-être m'a capable corriger moi, même connaît que jusqu'à présent moi-même, moi pas attendre dans salle des nouvelles, moi pas croire que au niveau du ministère des Affaires étrangères de la chancellerie haïtienne, moi pas croire adresser une note de sympathie, de réconfort, de solidarité à l'endroit conférence évêque religieux. Et si ça pas fait, moi t'a invité que probablement ministère des Affaires étrangères fait parce que son bagage qui grave. Moi pas attendre moins que ministère de la justice t'a fait parce que nous gagnons un ministère de l'injustice qui dirigé par un monde qui porte nom ministère ministre de la justice, mais son déception, c'est une déception totale non seulement pour communauté intellectuelle dans le pays d'Haïti parce que yo toujours présenté madame ça comme un intellectuel, mais malheureusement c'est une catastrophe et qui plus est nous, c'est une déception pour la corporation journaliste, non? Parce que, ou après, nous compte que, journée aujourd'hui, non seulement le ministère que l'a dirigé, il voulait prendre la justice comme un outil de persécution politique, et en même temps, il ferme les oreilles sous un pile agression qu'a fait contre journaliste.